Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Même si nous on ne se voit pas, vous, vous nous voyez. Et j'espère que, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les choses qui vous arrivent, quelles que soient les relations positives, négatives, les expériences agréables ou désagréables, vous arrivez toujours à percevoir cette vie dans la joie. Et si vous n'y arrivez pas, nous souhaitons, ici Guy Roger et moi, que cette émission y contribuera. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Farzad. La joie, c'est pas le bonheur, on l'a vu déjà dans cette émission. Oui. On aimerait voir un peu, aller plus en profondeur, parce que tu vois, il y a le générique de cette émission aussi qui parle de la joie qui te touche, etc. Comment on pourrait introduire ça pour quelqu'un qui ne l'a jamais abordé, qui pense qu'il n'y a pas de joie dans le monde, que tout est foutu, voilà. Ouais. Mais peut-être, justement, pour en parler, on pourra en parler après, mais est-ce qu'on peut passer toute la chanson entière, ouais, du générique? Ok. On va la passer, et puis... Allons. Et on en parle. Voilà, allez, c'est parti.
qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas la changer. Un mensonge à faire dormir debout, qui évoque la peur, qui fabrique les habitudes au détriment de la joie. Ta liberté n'est qu'un mot, à vivre que par des rêves. Mais toi-même, tu n'es pas libre. Avec sa beauté éternelle, mais dans ta tête tu as la peur de ne pas être comme les autres. Ouais. Quelle histoire! La liberté, hein. C'est ouais. Quelque chose de très important. C'est quelque chose d'important parce que on s'aperçoit que quand on l'a pas, c'est parce qu'il y a la peur. Toutes nos peurs nous empêchent d'être libres finalement. Parce qu'on s'est emprisonné dans un monde qu'on connaît. Et tout ce qu'on connaît pas, est interdit quelque part. Tu vois, toute la connaissance que j'ai appris, j'ai cumulé toute ma vie, ça fait de moi ce que je suis. Et ce que je suis, c'est ce qui est connu. Tu vois. Et quand ce connu-là est mis en doute, tu vois, que toutes les conclusions que j'ai, tout ça, c'est ébranlé par quelque chose qui arrive, eh ben, on s'accroche au connu. Donc la liberté, elle est rare dans ce monde. Quelque part, parce qu'on s'accroche au connu qu'on a. Et peut-être que c'est là qu'il faut aller voir si on n'a pas un problème, là. Mmh. Et ce problème, il est latent dans ce monde, j'ai l'impression. Hein? Mmh. Et je crois qu'on peut le regarder. Et tous, on a la faculté de le faire. Parce qu'on a tous envie, finalement. On a tous envie, parce qu'au fond, on connaît, il y a la peur, c'est vrai. On l'a subi, tu sais, c'est un gros problème. Mais quelque part, tous, on a envie de casser la barrière, quoi. Tu sais, il y a quelque chose qui nous appelle de l'autre côté, parce que derrière la peur, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on voudrait savoir. Tu vois? Mais on a envie, je crois que moi, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait toute ma vie. J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière mes peurs. Tout ce que je voulais savoir, que j'avais peur, que quelqu'un pensait de moi. Donc je faisais pas, je faisais plaisir, je faisais tout ce que les gens voulaient, mais pas ce que je voulais, parce qu'il y avait cette peur. Tu vois? Mais quand tu n'as pas peur, il y a quelque chose qui se révèle à toi quand même. Tu vois? Et ça, c'est de l'or. C'est la recherche du trésor, un vrai trésor en fait. J'écoute. J'écoute. J'écoute en silence. Ouais. Je déguste le propos, le verbe et le silence entre les mots, parce que nous sommes en train de parler de quelque chose qui les dépasse, qui dépasse les mots. C'est ça. Qui va au-delà de ce que la compréhension humaine pourrait saisir. Oui. On ne parle oui. pas d'une chose qu'on pourrait définir en mettant le doigt dessus en disant c'est ça. Éventuellement, tout ce qu'on puisse faire, c'est faire l'inverse, de montrer tout ce que cela n'est pas, tout ce qui n'est pas la liberté, oui. tout ce qui n'est pas la joie. Mais d'abord, il semblerait qu'il y a une première étape, une étape préalable, avant d'arriver à cette discrimination, à ce discernement.
Ce serait la responsabilité. Tu le disais dans la chanson. Tu veux dire, oui. Ouais, dans la chanson, tu disais, tu montres avec le doigt l'extérieur pour ne pas te sentir responsable de ce qui est en train de se produire. Ouais. Et bon, je prends l'idée du commun des mortels. Comment pourrais-je être responsable d'un attentat, d'un maire ou d'un politique, d'un président qui vole les gens? Comment suis-je responsable d'une agression, d'un viol, alors que je n'ai rien fait de tout ça? Oui. Donc, bien entendu que je prends le doigt et que je montre l'autre parce que j'ai vu l'autre faire. C'est exactement, oui. Est-ce qu'on pourrait expliquer ça simplement? Oui. Je crois que, tu vois, quand on montre son doigt à l'autre, l'autre devient pour toi un échappatoire. Parce qu'en fait, tout dans quoi tu es impliqué toi-même, la vie dans laquelle tu es impliqué, tu as envie de te la cacher. Donc, il faut que quelqu'un t'aide pour ne pas t'impliquer. Et je crois que la vie, en fait, on la mène comme ça. On la mène sans s'impliquer. Et quand on ne s'implique pas, eh ben, il y a tous des phénomènes qui se passent qui font que tu subis des émotions qui se passent à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi et à l'extérieur, il y a l'environnement qui se joue et ça t'impacte dans ton émotion. Et ton émotion te dit, mais moi, je ne veux pas cette émotion. Je voudrais être bien, je voudrais être heureux. Tu vois ? Et pourtant, on est tous impactés par des émotions. Ces émotions nous font souffrir. Peut-être quelquefois aussi, il y a des émotions qui nous donnent du plaisir. Mais la plupart du temps, ce sont des émotions qui nous montrent en fait que nous sommes bloqués par un phénomène qui se passe. Nous sommes altérés, nous sommes subjugués par le problème. Et à ce moment-là, la pensée, elle cherche quelque chose, l'esprit va chercher quelque chose pour se retenir dessus. Tu vois ? Donc il va s'attacher aux choses qu'il connaît. Et donc, ce que tu connais, en fait, c'est la façon dont toi, tu regardes la vie. Ce que tu es, c'est la connaissance de comment tu peux voir la vie autour de toi. Tu vois ? Autrement, quand tu regardes la vie, tu vois, si tu la vois avec ce que tu penses, c'est ce que tu penses qui fait que la vie autour de toi, c'est ce que tu vois. Mais si ce que tu penses, okay, tu t'aperçois que c'est seulement toi qui l'as. Donc, quand tu regardes, tu ne vois que ce que tu es. Parce que, comment je dis ça, c'est complexe. Parce que, non. Ça peut paraître complexe, moi je comprends. Oui. Mais il y a un temps, les premières fois où je t'écoutais, je ne comprenais rien du tout. Donc j'ai dû me poser, prendre limite un papier et puis écrire. Oui. Le dessiner. Me dessiner moi avec une bulle en train de penser. Et puis à l'intérieur de la bulle, je pointe du doigt des responsables, il y a des protagonistes, des antagonistes. Ouais. Il y a des guerres qui se font dedans. Ouais. Tu vois. Mais c'est ma bulle. Ouais. Tout se passe là-dedans, quoi. Tout se passe dans ma bulle, en fait. Ouais. C'est ce que tu connais, en fait. Voilà, c'est ce que je connais. Ouais. Et donc, là où j'ai trouvé l'innovation dans cette approche, par rapport à tout ce que j'avais connu auparavant. Avant, moi, je pensais que mes pensées étaient différentes de moi. D'accord. C'est-à-dire que je disais, il y a moi et il y a mes pensées. Ensuite, je disais, il y a mes pensées et il y a les pensées de l'autre. Voilà. D'accord. Et en t'écoutant ici, je me rends compte que, en fait, il y a juste la pensée. Il n'y a pas moi. Ouais. Mais ce qui pense être moi, c'est juste une partie de la pensée.
S'ils voient toute la pensée, il y a une perception de toute la pensée, tout de suite, on voit que c'est nous. Mmh. On voit que c'est nous. En fait, les bulles n'en font qu'une. Mmh. Elles n'en forment qu'une dès le départ. Mais elles s'incarnent différemment selon les personnes. Il y a quelqu'un qui va avoir une propension plus forte à éprouver des souffrances liées au rejet. Oui. Un autre qui va avoir des pensées de colère, de haine. C'est ça. Un autre qui va avoir une forte attraction vers tout ce qui est addiction. Oui. Il va fumer une fois et puis ça y est, toute sa vie, il va se retrouver à fumer. ou pas. Ou il a fumé une fois et puis il n'aime pas et puis il l'abandonne. Il n'aime pas et voilà. Voilà. Et moi, j'ai voulu savoir quel était le fondement, la fondation de tout ça. Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Nous sommes une diversité d'êtres humains. Oui. On a la sensation qu'on pense différemment. Et jusqu'au jour où j'ai découvert un penseur indien qui s'appelle Krishnamurti. Et lui, il disait, il y a une différence entre penser ensemble et être un seul esprit. Et il dit que être un seul esprit, ça veut dire qu'on a fait une conclusion sur une pensée. Mmh. On l'a encadré, on l'a cadenassé. Et puis on a dit c'est ça et que ça, et ça déborde pas de ça. Mmh. Les religions fonctionnent comme ça, les idéologies politiques fonctionnent comme ça. Voilà. Les images qu'on se donne les uns aux autres fonctionnent comme ça. Les conclusions qu'on se fait de soi. Conclusion de soi, conclusion sur les autres. Regarde un tel, il a volé une fois, il sera voleur toute sa vie en fait. Voilà. Du coup, ben, on fait une conclusion. Donc ça, c'est l'esprit, être un seul esprit. Pour être un seul esprit, il faut un dogme, en fait. Un dogme dans lequel on rentre, et puis là, on dit, on est le groupe 2, le clan 2, machin. Et là, il dit, penser ensemble, c'est différemment. C'est vraiment différent parce que il y a différentes personnes qui se sont rassemblées, et ensemble, ils se posent, et ensemble, ils commencent à cogiter. Ensemble, ils commencent à réfléchir sur le même sujet. C'est ça. Par exemple, le sujet de voir la souffrance qu'on est en train de faire là. Et là, il se produit un phénomène qui est que on voit à un moment donné, si on le fait un certain temps, parce que dans nos sociétés, on n'a pas l'habitude de le faire. Ouais, on a vraiment l'habitude de faire du tac au tac, s'arrêter à une conclusion, se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, devant le foot ou devant la télé. Mais là, on s'arrête un instant dessus, et puis on converse dessus, on pense ensemble. Et on observe ensemble. On observe, en fait. Et à un moment donné, à un certain niveau de profondeur, on va dire, on se rend compte que tout ça n'est qu'une réflexion de ce que nous sommes en vrai. Ouais. Une réflexion, un réfléchissement, comme la lune qui viendrait se refléter dans un lac. Tout à coup, ben, nos yeux se lèvent et puis on voit la lune. Ouais. On se rend compte que tout ce temps-là qu'on a passé à discuter, on était juste en train de voir qu'est-ce qu'il y avait, comment étaient les vaguelettes au-dessus de la vague, comment était l'environnement. Mais c'était pas la vérité. Tu sais, il y a un truc que j'ai entendu, enfin, ça fait assez longtemps maintenant, mais je n'ai pas re-entendu, puisque c'est écrit dans la Bible. Il dit qu'au commencement, il n'y avait rien. Et puis après, venu le Verbe. Et pour moi, je comprends ça comme ça. Je ne sais pas, tu me diras. Tu vois, ce Verbe-là, en fait, c'est la parole. Okay? Et la parole, elle est donnée à qui? À l'être humain. Okay. Donc il y avait le rien, l'être humain est venu et il a manifesté le rien avec le mot. Okay. Et tous ces mots qu'on manifeste, tu vois, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre. Il faut avoir une tête qui apprend. Je dis ça, c'est un micro. Ça, c'est une table. Ça, c'est une femme. Ça, c'est un homme. On apprend, tu vois. Et donc, en fait, chacun d'entre nous, dans nos différentes cultures, on se forge une idée des choses, parce que quand on apprend, on donne une signification aux choses. On apprend, on donne une signification à la colère, à la gentillesse, à tout ça. Et tout ça fait que tu apprends. Et tout ce que tu apprends, ça forme le personnage, le caractère qu'on appelle moi. Tu vois? Et celui-là, quand il est là, eh ben, il va réagir à tout ce qui n'est pas ce qu'il pense. Parce qu'il n'est pas, il ne pense pas comme l'autre, donc il y a un problème. Moi, c'est comme ça que je vois.
Donc, tu vois d'où vient la rivalité maintenant, hein? Parce qu'on commence à se dire, mais lui, il est différent. Alors que le mot nous sépare. Hmm. C'est un mot, une signification. Et c'est ça le verbe. Mais maintenant, est-ce qu'on peut s'entendre? Parce que, comme tu dis, effectivement, d'avoir une pensée ensemble, de mettre les choses étalées sur la table, tout ce qu'il y a, tout ce qui est pensé, mettre sur la table, tu vois. Et à la fin, quand on regarde tout ça, eh ben celui qui a bien vu, qui a vu en observant comme s'il était témoin de tout ça, ben il connaît la vérité. On n'a pas besoin de lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est... Il connaît que ça c'est ça, c'est vrai, c'est comme ça, tu vois. Et c'est le problème avec nous, que chacun, on a campé sur des conclusions. Et nos conclusions ont fait de chacun d'entre nous quelqu'un de différent. Et c'est là où peut-être notre grande capacité à nous les humains, c'est de pouvoir faire en sorte que nous passons au-delà de toutes les différences, de toutes les conclusions qui existent dans le monde. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose de commun. C'est le rien. Le rien qui a manifesté le verbe. Parce que tout vient du rien. Tu vois? Et donc, ce que nous sommes, si nous pouvons voir le rien à travers tout, donc on ne ferait pas de conclusion. Puisque nous sommes le rien. On verrait les choses jusqu'au bout. On verrait les choses jusqu'au bout, comme tu dis. Nous briserions les limites du fini dans l'infini. Mmh. Ouais. Là où nous voyons qu'un micro, eh ben, on se rendrait compte tout à coup qu'il y a une infini dedans. Ouais. Aujourd'hui, la physique le montre. Montre bien que sûr. Cette matière même est composée d'un infini à l'intérieur. Ouais. Et dans cet infini, il y a beaucoup d'espace. Ouais. Mais on sait que c'est la physique, on va se dire oui, c'est la physique quantique, machin, mais c'est encore une pensée. Et si on pouvait le vivre maintenant, ouais. se libérer des conclusions, ouais. du poison des conclusions, mmh. et vivre libre et vivre cette joie. Là, maintenant, mmh. On n'a besoin de personne. Mmh. Il n'y a pas besoin d'aucun politique. Certains, ils sont arrivés au fin fond d'une prison. d'autres suspendus à une croix. Mm. D'autres encore dans l'humiliation. Il n'y a pas besoin d'être célèbre, connu ou reconnu. C'est ça. Cela ne dépend pas ni de notre statut social, ni de notre héritage. Mm. Puisque pauvres comme riches, dans l'histoire de l'humanité, ont pu vivre ça. Ouais. Cela ne dépend pas non plus de notre niveau de savoir, de notre instruction, mmh. ni de notre éducation. Voilà. Ni de nos mœurs, ni de nos religions, ni de nos coutumes, ni de nos cultures. Tu vois ? Ça dépend de quelque chose qui est au-delà de tout ça. Une envie qui dépasse le simple désir de la pulsion d'avoir ceci ou cela, ou de pouvoir faire ceci ou cela. Mmh. Comme tu disais juste au début, au fond de nous, on a envie de ça. Ouais. Cette impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça, qu'on ne sait pas, on va dormir, on rentre chez soi, on a tout ce qu'on veut, mais il manque ce petit quelque chose qu'on ne sait pas. Et on va dormir, on reste là-dessus, on dit mais c'est quoi ? Ouais. Pourtant, tu sais, tu cherches la joie et dans tout ce que tu fais, il reste un vide. Tu vois, et c'est peut-être ça, chacun d'entre nous on vit beaucoup ça, chacun d'entre nous on peut le sentir comme ça. En tout cas, moi personnellement je l'ai senti comme ça, j'ai senti que, tu vois, il y avait quelque chose derrière tout ça, et j'avais, tu vois, cette terrible curiosité, mais c'était terrible, Farzad, une curiosité terrible, parce que tu es happé. Pour être curieux aujourd'hui, il faut être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, tu es happé par toute une sorte de distraction. Tu vois ? Chers amis, si vous ressentez en vous cette envie de vous connaître, eh ben, refusez. Refusez la publicité.
Refusez celui qui vient vous vendre. Patientez. Et peut-être alors, certainement même, vous pourrez vous reconnaître et renaître, libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.